Bonjour, mon nom est Emmanuelle Dufour, j'ai étudié au Collège Champlain en arts créatifs et aujourd'hui je suis anthropologue et je poursuis un doctorat en éducation par les arts à l'Université Concordia et j'utilise la bande dessinée pour illustrer mes résultats de recherche. Si je devais choisir un seul mot pour décrire l'expérience collégiale, ce serait probablement effervescence. Le cégep, ça peut s'avérer une étape dynamique et stimulante tant sur le plan scolaire que socioculturel, identitaire et interpersonnel. C'est pour plusieurs l'occasion de faire des découvertes, des expérimentations et des rencontres qui auront une incidence marquée sur la suite de leur parcours. Pour moi, mon passage au Collège Champlain a été l'occasion de plonger dans l'univers des arts visuels et de la culture, dans une approche très interdisciplinaire, décloisonnée et exploratoire. C'est une époque qui correspond également avec mes premières années en appartement dans la grande ville de Montréal, ce qui fut en soi très porteur en termes de découvertes et d'apprentissage. Et je pense que c'est l'ensemble de ces expériences qui a débouché sur mon parcours d'une dizaine d'années à travers plus d'une quarantaine de pays et qui a ultimement contribué à faire de moi la chercheure que je suis aujourd'hui. Ce que je dirais aux étudiants qui s'apprêtent à faire leur entrée au cégep, c'est oser. Osez profiter de tout ce qui vous est offert par votre cégep. Je pense que c'est l'occasion idéale de faire des essais et d'aller valider certains choix. Et je crois que d'oser, ça veut également dire d'aller chercher les services d'accompagnement et de soutien quand on en a besoin. Historiquement, la création des cégeps a permis à la culture et à la société québécoise de prendre racine, de s'épanouir, de se développer. C'est intéressant parce que c'est à travers une étude que j'ai réalisée auprès des étudiants de l'Institution Kiuna, qui est le seul cégep autochtone par et pour les Premières Nations du Québec, que j'ai vraiment compris le rôle fondamental qu'ils sont appelés à jouer les cégeps dans les processus d'enracinement culturel, d'attachement identitaire et d'empowerment tant des individus que des nations. Longue vie au cégep, à la culture, à l'exploration, à la rencontre et à l'esprit critique. Bon 50e!